Quand le vent s'arrête tout à fait, reprend son souffle un instant, fait le mort. Le soleil s'arrête aussi. La respiration de l'air devient visible, vibre doucement. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et moi aussi, je me suis faite chair, et j'habite parmi eux. Le Verbe en moi est sans parole prononcée ou écrite, réduit à un murmure secret, dans mes veines. Êtes-vous bientôt prête, Isabelle? Il faut y aller. Ça va commencer. Oui, oui, j'arrive. Le Seigneur est mon berger. Mieux qu'une bouffée d'encens, l'embrun baigne l'église, imprègne de sel les stalles de sapin et jusqu'à nos mains jointes. Les lames de fond dévastent le sable, forment des dunes aussitôt balayées, creusent des ravines aussitôt comblées. Toute vie ou mort enfouie est extirpée, saisie, lâchée dans la fureur de l'eau. Mes cris dépassent mon corps, à travers mon corps, atteignant le monde, les rochers, et la mer. Et comme ressuscita vite,
Et con considere fecit in caenistibus in Christus. Ut ostenderet in saeculis super vencientibus abundantes divisias gratiae suae in bonitate. Super nos in Christum lesu. Gratia peni estis. La noirceur de plus en plus tôt, de plus en plus vite, pressée de dévorer le jour, cette espèce de manteau noir, rabattu sur nous.